Allez, salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème, comme d'habitude, le frelon asiatique. Donc, on peut voir que le frelon asiatique, ben, il aime bien se mettre dans des endroits un petit peu. Alors là, c'est pas insolite, hein, c'est on va dire un classique. Donc là, c'est sous un petit atelier de chez mon client. Donc là, nous sommes sur la commune de Brie, à côté de Angoulême. Donc là, ouais, un joli nid. On voit que les frelons sont en train de s'activer au boulot, hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va en faire un traitement rapidement à l'aide de la poudre, comme d'habitude, pour insectiser tout le monde. Donc là, c'est un nid primaire. Et là, tout à l'heure, je vais faire un autre nid un petit peu dans un endroit improbable. Enfin, improbable non, parce que voilà, ils aiment bien se mettre là. Mais bon, vous allez voir que le frelon, ça se met partout. Allez, je vais essayer d'accrocher tout ça et vous de vous filmer l'intervention en direct. Allez, on va y aller. On va mettre les gants. Toujours bien s'équiper. Et après, on va faire la poudre. Et ce sera terminé pour eux. Allez, hop. Je mets ça. Allez, j'arrive. Hein. Je suis un petit peu lent. Je pense que j'essaie d'y aller comme ça directement. J'espère que je ne serai pas trop court sur patte. Voilà, donc là le traitement est fait. Là, les frelons vont sortir tout blanc, ils vont s'insectiser à la poudre. Voilà. Donc là, à l'intérieur du nid, c'est la guerre. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Ça sert à rien, ça reste un insecticide. Donc là, ils vont s'attaquer à la caméra. Donc là, mine de rien, dans un nid comme ça, il y a quand même pas mal de monde. Hein. On va avoir 200 à 300 individus. Donc le clan, le client, en fait, ce qui lui a mis la puce à l'oreille, tout simplement, c'est que bah, des fois, il rentre dans son atelier, il a vu des allers-retours de frelons. Donc là, il s'est dit, il y a un petit souci. Ben oui, il n'y a pas qu'un petit souci, c'est qu'il a eu de la chance de ne pas se faire piquer. Donc le bon réflexe, hein, il n'a pas voulu utiliser la bombe. Mais d'appeler un professionnel et de traiter ça correctement et en toute sécurité. Voilà les amis. Donc la saison du frelon asiatique, il y en a un là qui sent pas très bien. Voilà, il vous fait un petit coucou, vous avez vu. Moi il me calcule pas, mais par contre vous ils aiment pas. Donc voilà, un insecte très dangereux. Hein. Donc voilà. Allez, les gugus ils me disent un petit bonjour. Ciao les amis, puis à tout à l'heure pour une nouvelle intervention. Bye bye. La fin des frelons asiatiques est arrivée.